Eh bien salut les amis, c'est Carmado et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Yo-Kai Watchbusters 2 et c'est l'épisode que j'attendais depuis longtemps parce que normalement on va devenir ami avec Dominicien éveillé. C'est pas sûr mais j'espère. Donc ce qu'on fait d'abord, comme d'habitude, on commence l'épisode en jouant au Bingo Kai. Voilà, on joue au Bingo Kai, on fait nos essais et une fois qu'on aura fait nos essais, je vais pouvoir l'avoir. Donc allez, vas-y. Et 6 ou 2 ? 2 ! Ah, bah oui, il y a de quoi être déçu, hein. Bon, ça pourrait être 1. Donc, il y a pire. Mais j'ai jamais eu 30, jamais de ma vie. Bon, alors, qu'est-ce que... Ça donne quoi ? Eh ben, comment on dit ? Un Jibanyan Mog de Final Fantasy, qui va avec le Jibanyan Chocobo, que j'ai envie d'avoir depuis longtemps. Les deux, j'ai envie de les avoir. Donc, je ne sais pas. J'aimerais bien. C'est sur le rouge. Oh, non. Oh, oh ! On s'arrête au rouge ! Non ! C'est qui, lui ? C'est quoi, ça ? Oulashimunian ? C'est ça ? Attendez. Oulashimunian, c'est ça. Oulashimanian, d'accord. Ou Oulashimunian, je sais pas. Oh, c'est un ma, ça? Malio. Oui, c'est un ma, d'accord. Oulashimanian. D'accord, je ne sais pas d'où il sort. Et c'est un Jibanyan. Mais oui, c'est un Jibanyan pêcheur. Ok, d'accord, pourquoi pas. Il y a combien de Jibanyan dans ce jeu? Faudrait un jour compter combien il y a Jibanyan dans ce jeu, parce que C'est n'importe quoi. Des Jibanyan jouables dans ce jeu, enfin déjà des Komasan, il doit y en avoir pas mal. Des Yusapion aussi, mais des Jibanyan, il y en a au moins 20, je dirais. Il y en a au moins 20. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh oui, d'accord. Bon, un yokai quand même ? Oh d'accord, je l'ai déjà. Fevanyan. Je l'ai déjà. Comment c'est en japonais ? Kijinyan ? Kijinyan, c'est ça, Kijinyan. Bon, bah j'en ai un second. Ok, très bien. Bon, alors nous, ce qu'on fait, c'est que je vous l'avais dit, c'est pas ça. Encore une fois, je me suis trompé de menu, comme d'habitude. Donc c'est le second menu. Et donc il faut chercher le Godo. Voilà, Godo. Oui, très bien. Quoi ? Pourquoi ça me l'a pas acheté ? J'ai dit non ? Bah non, j'ai dit oui. Ah ! Ok. Pourquoi ça me l'a pas fait immédiatement ? D'accord, bon. Très bien. Et maintenant, normalement, si j'ai bien suivi Abdallah Smash, il faut que j'aille... Oui ! C'est ça ! Donc là, il faut que je fasse cette mission. Et à la fin de la mission, il faut que j'utilise le bug de l'amitié. Et en fait, eh ben, normalement, je deviendrai son ami. Je sais pas en combien d'essais, mais normalement, ça va arriver. Alors, voyons voir. Allez. Parce que ce yokai, Dominicien, bon, je vais pas vous redire quel est son pouvoir, parce que de toute façon, vous le savez déjà. Et si vous ne le savez pas, eh ben, vous le découvrirez quand on deviendra ami avec lui. Et c'est quoi cette espèce de truc d'icône rouge qu'il y a à côté de mes persos, là ? C'est très bizarre, il y a une icône rouge qui ressemble à une boule de feu. Bon, vous pouvez pas la voir vu que c'est tout noir, mais vous finirez bien par la voir un jour. Ah, c'est bon, vous pouvez la voir, d'accord, mais je sais pas ce que c'est. C'est très étrange. En tout cas, ce qu'il y a là, c'est que quoi ? Ils ont pas abusé sur le nombre de yokai qu'il y a à l'écran là, mais quoi ? Hein ? Et j'ai eu autant de yokai qui m'ont attaqué. Pourtant, il y a quasiment aucun d'entre eux qui a réussi à me donner un coup. Donc tant mieux. Alors, voyons voir. Par contre, il doit y avoir des trucs secrets, non ? Pourquoi il y a un machin bleu qui est apparu derrière moi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, c'est très étrange. Ok, cul-de-sac. Mais elle est bizarre, cette musique. Ouais, mais pourquoi pas, d'accord. Allez ! En un coup, très bien. Oui, mais non. Qui m'attaque ? Quelqu'un m'attaque. Ok, c'était Cerbébert. Ouais, on va ouvrir le coffre. De toute façon, voilà, mes poches sont vides. Donc, je peux récupérer quelques trucs. On fait le tour de la salle. Et on récupère quand même ça. Et lui, on va le tuer aussi en passant. Oh non ! Je me suis fait avoir. Bon, tant pis.
Alors, par là, ce serait pas la sortie? Peut-être pas. Peut-être que oui, peut-être que non. On verra bien. Non. J'ai l'impression qu'on arrive à une autre salle, mais elle est bizarre, cette musique. Elle est pas bien. Enfin, elle est pas mauvaise, mais... Je trouve, en fait, que cette musique... Non, elle est pas bizarre, cette musique. En fait, elle est bien. Et elle va très bien avec l'environnement. Et c'est ça que je trouve étonnant. Parce que jusqu'à maintenant, on a eu des musiques qui venaient de Yo-Kai Watch Buster 1, ou de Yo-Kai Watch 2, ou de Yo-Kai Watch 1, qui étaient à peine remixées. Et en fait, elles avaient rien à voir avec l'ambiance du jeu. Et là, étonnamment, on a une musique qui va bien avec l'ambiance du jeu. Mais c'est quoi ces machins? On dirait qu'ils pondent des œufs, Fudomio. Regardez, ils pondent des œufs, il y a des trucs qui sortent. Très bizarre, très bizarre. Alors, Maître Oden, que fait Maître Oden ici? On ne sait pas. On ne sait pas, il avait envie de mettre Maître Oden ici. Et là, c'était un cul-de-sac, mais... Oh, un morceau de pièce de Big Hokai, d'accord. Donc c'était finalement un cul-de-sac qui était pas si inutile que ça. Allez, détruisez ça. Et c'est quoi? Un morceau de pièce SP. SP, ok, un morceau de pièce SP. Faudra que j'aille voir Monsieur Super Noël s'il peut pas me rassembler des pièces. Ok. Allez. Je me débarrasse de quelques ennemis, histoire de regagner quelques orbonies. D'accord, il n'y a rien d'intéressant. Là, je suis sûr que ça lit. Ouais, ça lit sans rien de plus. Bon, on peut le tuer. Mais oui, il a encore pondu un œuf. Il a pondu un œuf vert cette fois. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Fudomio, pond des œufs. qu'est-ce que c'est que cette salle? Alors, un des serpents. Merci pour l'orbonie, ça fait plaisir. Ah non, ne me dites pas que c'est un cul-de-sac, ça. D'accord, ça n'a pas l'air d'être un cul-de-sac. Ça va peut-être nous relier à la salle qui est là-bas, là, la grande salle. Ah bah non, ça nous emmène à la fin. Ok, très bien. On a terminé cet étage. Normalement, les donjons vont aller beaucoup plus vite à partir du moment où on aura Dominition éveillée. Qu'est-ce que c'est que ce yokai, là? C'est une faucheuse. Bon, ok, pourquoi pas. Alors, jetons un coup d'œil par là. Je le sens. Je sens... Ah bah non, la fin elle est là. Ok, je sentais que la fin était à gauche et finalement elle était juste en bas. Vous n'avez rien entendu. Je n'ai rien dit. donc étage 3, à mon avis il y a encore 5 étages. Hein. Ça ne m'étonnerait pas. Okay, comment il s'appelle lui déjà? Chauve qui peut, chauve coucou. Et lui c'est... je sais plus non plus, pourtant je l'ai déjà vu, normalement je connais son nom, mais là je l'ai oublié. Ah, Omni-Tonton, d'accord. Ou Tontonnerre, je ne sais pas lequel des deux, l'un ou l'autre. Ah mais cette salle elle est très grande, attendez. Ah mais non, 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 non. On va aller par là-bas. Déjà là, oh, une autre pièce de Big Hokai. Allez, vas-y, détruis le truc. Très bien. Ah bah non, ça l'a pas détruit, d'accord, je croyais qu'il était détruit, je me dis qu'est-ce qui se passe? Là par contre, il y a Emonian qui est en train de se faire tuer. Ok, c'est bon, ils s'en sont sortis. On va quand même tuer les yokai qui nous suivent, parce que sinon, c'est eux qui vont finir par avoir raison de nous. Et aucun yokai veut devenir mon ami, là, depuis le début de cette mission, il y en a aucun qui veut de moi. C'est un peu triste. Allez, Emonian, très bien... Pour l'instant, je suis très fier de mon équipe, mais ce sera encore mieux quand il y aura Dominition éveillé. Ouais, vas-y, si vous voulez. Ouvrons le coffre. Ah bah, on a plus de place. Bon. Bah alors, n'ouvrons plus les coffres. Vas-y. Même pas d'orbonie. Et là... Aïe. Ça fait mal, ça. Ça me rappelle Paper Mario Sticker Star. Il y avait... Il y avait... Oh là là, il y avait un truc, c'était justement une bassine que tu pouvais avoir sur la tête. Enfin, que tu pouvais te... Enfin, que tu pouvais faire tomber sur la tête des ennemis. Qu'est-ce que je raconte que tu pouvais avoir sur la tête? Je parle à l'envers, moi. alors... Je sens que ce sera pas par là, ou peut-être par là. Eh bah oui. Ok, très bien. Donc, on arrive à l'étage 4. Oui, un jour, peut-être. Très bien, on a l'étage 4. Ouais. Ok. Non, 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 non. Ouais. On va monter.
Cette musique, elle est géniale, quoi, mais je suis super surpris, en fait. Je m'attendais tellement pas à avoir une musique comme ça dans ce jeu. Jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que ce jeu, graphiquement, musicalement, ils ont fait que des trucs moyens, et là, d'un coup, il y a un truc génial. Bon, là, normalement, ça va être le boss. En théorie. Oui, c'est le boss. Allez, à multime. Oula, il m'a fait mal, par contre. Et d'ailleurs, la multime a loupé. D'accord. Évite de tuer mon Emonian, par contre. C'est tout ce que je veux. Enfin, c'est tout ce que je souhaite. Il va mourir. C'est bon, il est mort. Ok. Et non, c'est nul. Bon, je vais jeter ça. Bon, je vais jeter la poupée de fuite, parce que la poupée de fuite, c'est vraiment le truc le plus nul. Voilà. Il y a des trucs qui sont nuls, relativement. Mais alors, la poupée de fuite, c'est vraiment, vraiment le truc le plus nul. En plus, je crois que la poupée de fuite, ça se vend 10 pièces. Non, 10 orbonies. Donc, c'est vraiment, vraiment nul. Ok, alors. Voyons voir. Donc là, ça, il va falloir utiliser le bug. À moins que je devienne ami avec lui du premier coup. Ce qui est possible, mais ça a quand même peu de chances d'arriver. Voyons voir. Bon, ça, je suis content, j'en ai 11. Waouh, stylé. Ouais, donc là on sauvegarde, c'est très important, faut sauvegarder ici. Si vous sauvegardez pas, vous pouvez pas faire le bug. Et donc là... Ok, il nous parle. Alors tu veux de moi ou pas? Non, il veut pas de moi! Bon bah alors, faut quitter et faut revenir. Je vais juste essayer une deuxième fois avec vous. Et si ça ne marche pas, bah je vous ferai une ellipse, hein, et je vous retrouverai quand il voudra bien venir, mon ami. Donc allons voir ça. Il commence son message par Kimi. Il commence son message par Kimi. 3 points de suspension. Non, 1 point de suspension. Et bah non, d'accord. Il redevient pas mon ami. Enfin, je crois. Ouais, non, il redevient pas mon ami. Là, les amis, je pense qu'il va devenir mon ami. Parce que je suis sûr qu'il a dit un message différent. Et bah oui, voilà. Comment il s'appelle ? Kakusei Hinoshin, d'accord, c'est son nom japonais. Donc, eh bien, est-ce qu'on peut l'appeler Dominition? Déjà, je ne sais même pas comment ça s'écrit, Dominition. Voyons voir, c'est Domition ou Dominition? C'est Domition, non? Je sais jamais. On va l'appeler Domi, parce que je ne sais pas comment ça s'écrit après. Puis on va dire qu'il n'y avait pas assez de place, voilà. Servons-nous de ça comme excuse. Donc, à quel niveau est-il? Voyons voir... Ok, très bien. Bon, on va changer notre équipe, ça c'est sûr. Vas-y. On va le mettre à la place de Jibanyan de Yui, qui était que niveau 11, donc... niveau 11, c'est pas mal, mais voilà quoi. 734 yokai. Il y a 7... Ah non, non, je peux avoir 734 yokai. Il n'y a pas 734 yokai dans le jeu. Autant pour moi. Autant pour moi. Donc, voyons voir. Je voulais le mettre à la place... Oui, je ne comprends rien. Ah, voilà. Niveau 30 ? Ah, bah, c'est parfait. Mais c'est carrément parfait, quoi. Ok, très très bien. Bon, bah, ça m'a l'air très bien comme ça. Ok. Donc, voyons voir tout ce qu'il faudrait maintenant. Parce que je voulais vous montrer un truc, parce que il y a quelques épisodes, je vous avais dit que je vous montrerais. En fait, je voulais jamais montrer. C'est qui, lui ? D'accord, oui, c'est l'homme de Cro-Magnon. Donc, voyons voir. Il n'y avait pas un truc où il y avait que des nyan, justement. Je voulais voir s'il y avait bien un truc avec que des nyan. C'est pas ça. Pas ça non plus. C'est pas ça non plus. On a plein de légendaires. On a combien? Je les ai même pas comptés. Je peux ouvrir ce... Ah non, non, non. Non, c'est... ok, c'est des ballerines. Non, je peux pas l'ouvrir. Mais... ok... Komasan, ok. Et là, c'est... Donc, Gabunian, Emonian, Robonian, Jibanian, Fuyunian... Et bah oui, ça m'a l'air d'être un truc du médalium, un légendaire qu'on peut débloquer qu'avec des Nian. Donc, si on peut le débloquer qu'avec des Nian, je pense que c'est Shogunian, non? Oui, puis en plus, regardez, c'est le premier légendaire. Donc oui, c'est Shogunian. Shogunian ne se débloque qu'avec des Nian. Bon, en même temps, il y a tellement de Nian dans ce jeu que... Voilà, quoi. Bon, il y a un truc que je voudrais quand même peut-être faire. Allons voir ça. C'est voir si... Enfin, faudrait peut-être... Attendez, là, il y a d'autres yokai qui arrivent ou pas? Non, il n'y a pas d'autres yokai qui arrivent. Toi, t'as un truc à me donner ou pas? Oui, d'accord. Il a encore un truc à me donner. Très bien. Tu veux pas renommer Emonian? Parce que Emonian, ouais... Voyons voir.
Ok, alors Emonian, comment je vais le trouver là-dedans? Il est là. Voyons voir. Donc je vais l'appeler et... Ah non, 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 minuscule et... Bon, il y a la place. Emonian. Très bien. Emonian, voilà, comme ça, toute mon équipe a des noms en écrits en français. Alors je pense que mon équipe... ça doit être mon équipe définitive, là, ou presque en tout cas. Moi, ça doit presque être mon équipe définitive. Je pense que je dirais ça. Alors, voyons voir. Donc là, maintenant, on va au monde suivant. Je sais pas si on a fait le premier niveau du monde suivant ou pas encore. Ben non, on ne l'a pas fait. Donc allez, c'est parti les amis. Comme ça, vous allez voir le pouvoir de Dominicien. Je tiens quand même à vous signaler que quand la porte du monde s'ouvre, Coach Anthony qui nous suit. Alors qu'en fait, Coach Anthony qui vient jamais avec nous, hein. C'est un gros paresseux, le mec. Alors, mon équipe, elle est trop bizarre quand même, parce que il y a deux yokai trop mignons, un petit Komasan Explorateur, un petit Nyan d'émeraude tout mignon, et à côté de ça, il y a Fulomyo, qui a une épée gigantesque, et Domitian qui est énorme. Voilà, c'est très bizarre comme équipe, il y a de tout, il y a de tout. Bon, et voilà, c'est très pratique comme pouvoir. Alors, de quoi il est capable lui par contre? Bon, on sait où est la fin, mais on va pas courir à la fin. On va quand même aller récupérer les différents trésors. Là, en fait, je vais pas courir à la fin, je vais d'abord courir aux boîtes. Parce que, pas au coffre, le coffre je m'en moque, mais je vais courir aux boîtes, dedans il peut y avoir des pièces de bingo kai, donc ça me paraît très utile. Et voyons voir, qu'est-ce qu'il peut faire, Domitian? Ah bah, oui, si si, bah normal qu'il soit très puissant, vu qu'il est niveau 30. Donc si si, c'est normal. Ah mais ça c'est nul, non ça j'en veux pas. Ça j'en veux pas, j'en veux pas, partons d'ici. Oui parce que c'est normal qu'il one-shot les yokai, hein, vu son niveau énorme. Bim! Par contre, il met longtemps à taper, hein. Et quand il tape normalement, même en tapant normalement, il retire la moitié des vies d'un yokai en un coup, quoi. Enfin, il est incroyable, ce yokai. Ça, ça doit être... C'est soit une pièce 1 étoile, soit une pièce 5 étoiles. L'un ou l'autre. Je pense, hein. 5 étoiles. D'accord, ok, 5 étoiles. Bon, maintenant, on peut aller à la fin. Je tue Shokai, je récupère ça. Et oui, j'ai oublié de vider mon sac. Ça m'arrive bien souvent. Bon, alors, et j'aimerais bien voir quelle est son âme ultime. Bon, on va voir ça de toute façon. Là, on va à l'étage suivant. Enfin, on va plus profondément. En tout cas, c'est super pratique. Je pensais que j'allais filer directement à la fin, mais non. Bon, il y a peut-être des épisodes où on filera directement à la fin, mais là, j'ai pas envie de filer directement au dernier étage. J'ai juste envie de récupérer les pièces de Bingo Kai et d'aller à la fin sans aller me perdre dans des labyrinthes qui sont pas si intéressants que ça à explorer en fait. Alors, voyons voir. Donc là, on apparaît ici, d'accord, très bien. Donc il y a une boîte là-bas. Allons la voir. Non, c'est nul, c'est nul. Ok, il y a plein de nouveaux yokai là dans le coin. C'est stylé. Mais qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Ah, ça doit être le même truc que Jibanyan Explorateur. D'ailleurs, je sais pas ce que c'est. Je dis que c'est la même chose, mais je sais pas ce que c'est. C'est pas un truc qui désactive les pièges? Faudrait voir, y a pas un piège dans le coin? Ah, mais le problème des pièges, c'est que maintenant, je peux plus les voir à l'avance. Vu que j'ai plus de Jibanyan. Bon, c'est pas grave. Je ne sais pas ce que ça fait, mais en tout cas, c'est là. Hein. Si, regardez. Ouais, d'accord, ok, ça désactive les pièges. C'est bien ça. Là, il y a quoi? Encore un truc dont on s'en moque. Bon, allez. Débarrassons-nous de cette vermine, là. En tonnerre et... Non, pas paratonnerre, en tonnerre. Je sais plus. Je sais plus qui c'est le petit et qui c'est le grand.
très bien. Et on s'en va. Bah, j'en moque de lui parce que lui, de toute façon, il ne peut pas me donner de pièces de Bingokai. Ceux qui ont un coffre derrière eux ne peuvent donner que des coffres. Ils ne donnent pas de pièces de Bingokai. Donc, c'est pas intéressant pour lui. Où est-on là? Ok, on est juste ici. Wow, en plus, on a une sacrée portée, hein. Ouais, il est très bien comme yokai, hein. Il est vraiment cool. Ok. Non mais ouais, il tue vraiment tous les yokai d'un coup, non. C'est pas du jeu à force. Ce serait bien que la difficulté augmente un peu, parce que là, ça fait pas... C'est quoi, là? C'est une arme? On peut essayer de l'avoir, l'arme, parce que ça se trouve, elle va être d'un bon niveau. Donc, on se débarrasse de ça. J'ai récupéré une carte? Ah non, bah j'en moque de carte. Ok. Alors, donc c'est du feu qu'il nous faut. Vas-y. Et bim! C'est bon. Ça a marché. Et wow, elle a l'air pas mal cette épée. Je sais pas ce qu'elle vaut, mais... 71, bah si, c'est très bien. C'est très très bien. On va la mettre à Aemonian, tiens. Je sais pas pourquoi je le mets à Aemonian, vu qu'Aemonian c'est même pas un attaquant, mais... Si, bah, c'est pas un attaquant, mais il peut attaquer quand même. Il peut attaquer quand même. Allez, allez, on détruit ça, plus vite que ça. Ouais, mais c'est parce qu'ils sont attaqués par des yokai, c'est pour ça que ça met du temps. Et quel que soit son niveau, par contre, il est pas plus rapide pour détruire ces trucs-là. Ok, c'était encore un morceau de pièce 5 étoiles. On va aller chercher la boîte bleue qui est là-bas. Il y a peut-être d'ailleurs une autre boîte à gauche. Non, il n'y a pas d'autre boîte à gauche, ok. On va aller voir cette boîte-là. Et c'est aussi un morceau de pièce de Bingokai, donc c'est très très bien. Très très bien. Voyons voir son âme ultime alors. Oh! Au début je me suis dit quoi? Mais son âme ultime elle fait rien? Et en fait non. Non non non, elle a fait quelque chose. C'est juste qu'elle met du temps à se lancer. Bah c'est bien, sauf qu'en fait on est déjà au niveau 3. Donc ça fait que mon âme ultime, j'aurais dû peut-être la garder pour le boss. Quoique non. Non, c'est pas la peine que je la garde pour le boss. Le boss, de toute façon, je suis quasiment sûr déjà de le tuer en un coup. Ou alors, en pas beaucoup plus que ça. Donc là, on va voir en combien de coups je tue le boss en coups normaux, quoi. En coups avec X. Alors... Ouais, non, y a rien par ici d'intéressant. Ah, lui, il a l'air cool, attendez. Et parce que là, par contre, ce qu'il y a, c'est que ça fait pas mal de temps qu'il n'y a aucun yokai qui a voulu devenir mon ami, hein. Ça commence à faire super long. Je sais pas pourquoi j'aurais pas un yokai qui a le talent comme quoi les yokai veulent plus devenir mes amis. Je sais pas si ça existe dans Buster déjà. C'est même pas sûr. Et là. Oh, encore un morceau de pièce de Bingokai. Non mais. Là, on est pas mal chanceux. Vas-y, et. Bim! Voilà. Super. Et encore un morceau de pièce 5 étoiles, donc ça on en aura eu pas mal. C'est génial que les morceaux de pièces de Bingokai n'aillent pas dans la poche, mais qu'ils soient directement transportés dans notre inventaire principal, parce que s'ils allaient dans notre poche, vous imaginez, ce serait tellement rageant de se retrouver dans une mission, de trouver des morceaux de pièces de Bingokai et de pas pouvoir les prendre, parce qu'on a déjà notre sac plein. Non, ce serait vraiment n'importe quoi. Y a pas une boîte en bas? Non, y a pas de boîte en bas. Vas-y. Et on peut le tuer en passant. Très bien, bah attendez, je l'ai à peine tué, il y en a déjà un qui réapparaît. C'est quoi ce bazar? Bon, ah non, c'est pas par là la fin, c'est par en bas. Qu'est-ce que je fais? Je me suis trompé d'endroit. Ok, lui il était un petit peu plus coriace, mais on l'a eu quand même. Et... Bim! Super. Bon, ouais, bon, allez, tuez les autres si vous voulez. Ah, puis en plus on a multi, mais c'est déjà rechargé. D'accord. Vas-y. Même quand il se protège avec son bouclier, on lui fait plein de dégâts. C'est génial. Y'a plus rien là? Non, y'a plus personne. Allez. Voilà, c'est parti pour le boss, normalement. Stylé aussi ce boss, hein. Alors, combien je lui fais de dégâts? C'est tout? D'accord, et avec mon âme ultime, je fais combien de dégâts? Vas-y, ah bah non, non, mais t'en vas pas, hein! Ok, d'accord, je pensais en faire plus, mais... Bon, non, c'est déjà très bien. Qu'est-ce qu'il fait, là? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est transformé en masque!
Quoi? Oulala! Et après, il se téléporte à l'autre bout? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis mort? Pourquoi il n'y a plus rien qui s'affiche? Ah, je suis mort, oui. Je suis mort, ils m'ont tué. Ah non, c'est le piège qui m'a tué, en fait. Allez, super. Ouais, mais non, mais j'ai plus de vie, là. Emonian, tu peux faire un truc? Mais Emonian, mais qu'est-ce que tu fais? Emonian, j'ai besoin... Et je remarche sur le piège, c'est une blague. C'est une blague, on l'aura jamais tué, le boss. Vas-y. Oh là, il a failli me taper. J'ai besoin de vie, hein. Ouais, c'est bien, mais c'est pas suffisant, hein. Ouais. Vas-y. Là, j'y vais prudemment, hein. J'ai jamais été aussi prudent sur Yo-Kai Watch Busters 2. Qu'est-ce qui se passe là? Il est où? Ah, il sautait et il est revenu. Ah, il va revenir là, non? Ok, il revient. Très bien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je le comprends pas une seule seconde, ce Yo-Kai. Oh là là, et il refait son truc terrible là. Que personne ne comprend très bien. Mais attendez, mais qu'est-ce que quoi? Ah, je vais retirer son masque, c'est ça. Ok, c'est bon, il est à terre. Allez, allez, allez. Ouf. Waouh. Mais c'était quoi cette tête? Ce boss, il avait l'air de faire super peur avec son gros masque. Et en fait, regardez, il est ridicule, c'est un ver de terre. C'est un ver de terre tout moche. Yes, une relique. Non mais oui, mais c'était carrément un ver de terre tout moche, le truc. Bon allez, on s'en va, on s'en va. Très bien. J'ai fait la multime juste pour m'amuser. Hein. Ça n'a eu aucun intérêt, on est d'accord. Alors, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on va avoir dans cette relique? J'ai hâte d'avoir un truc bien. Mais si c'est un truc nul, j'ai pas hâte du tout. À niveau 30, c'est tellement dingue, quoi. Non! Bon, ça va. Ça rapporte un petit peu d'argent. Mais bon, il y avait tellement moyen d'avoir mieux. J'en ai eu 4 dans cette mission! Wow! C'est ouf! J'en ai presque 8! Qu'est-ce que c'est que ce 69 qui nous indique à la fin? Il nous indique toujours des chiffres, on sait pas ce que c'est, mais il nous les indique, voilà. Des fois 74, des fois 68, des fois 69, 50, 51, on ne sait pas, bref. Bon, eh bien les amis, nous, on va en rester là pour cet épisode de Yo-Kai Watch Busters. J'espère que cette série vous plaît toujours, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner, et nous, on se retrouve très bientôt pour la suite de Gissila. Portez-vous bien, et à la prochaine les amis. Salut !